Aïe, c'est depuis plusieurs semaines, Madame la Première Dame, ou du moins ancienne Première Dame, Madame Martine Moïse rentre dans le silence. Après passage li, dans le grand sud pays, hein, avec caravane tête chargée, foule moun tout côté le passé, eh bien, nous te joué assassin criminel, organisation des juges dans le pays d'Haïti, qui t'a le tout yélio, te commencé à persécuter lui. À persécuter lui. Eh bien, première dame, nan, en consultation avec l'équipe, lui font retrait sous scène politique là. Lui replier dans nos pays à la Kaili. Eh bien, ça qui passe, moun pas attendait première dame. Nan. Moun pas attendait parler de lui. Ça va être problème dans le camp adversaire. Yo. Eh bien, justement, non, première dame, non, refaire surface. Dans le camp assassin criminel. Yo. Et qui passe assassin qui finit tout le président Jovenel Moïse? Yo? Via une émission que GPPC dit que Paul Charles te fait. Aïe, aïe, aïe. Non, première dame, non, ou faire surface. Qui ça qui passe? Gary Paul Charles, GPPC, bail des informations dans l'émission. Eh bien, et qui passe à ces criminels qui finissent tuer le président Jovenel Moïse? Les qui baille gros l'argent pour tuer le président Jovenel Moïse? Parce que, non, non, pas que je me cite directement dans pièce rapport. Yo toujours été dans silencieux pour garder qui Jean. Dossier assassinat, enquête sur assassinat a déroulé. Pendant ce temps par en bas eux-mêmes, il a développé des stratégies pour regarder comment yo capable casser rein. Course mobilisation justice pour Jovenel Moïse là. Aïe aïe aïe. Et bien attendez non. Avec des déclarations que GPPC dit Gary Paul Charles fait, côté que, l'indexé des entreprises qui baillent gros l'argent pour tuer le président Jovenel Moïse, eh bien, l'eau a mouillé exactement. Moun, nous-mêmes dans Infobeto, depuis plusieurs mois, que nous avons cité chaque jour, bah ou même Captain Dem, Cap Gadem là. Et puis, ça qui passe. Nous avons attribué GPPC dit Gary Paul Charles, moun qui m'apprécie en pile, et moun qui m'apprécie, alors journaliste qui m'apprécie depuis pratiquement 10 l'année, si m'a trompé moi, justement. Oui, pratiquement 10 l'année. Eh bien, nous avons réuni, je suis ensemble. Équipe PHTK, tête PHTK alors, il y a gros problème. Équipe El Michel et Matala, il y a gros problème. Et dans vos questions, vous avez tout attribué GPPC Gary Paul Charles, ensemble avec Laurent Salvador Lamotte, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien premier ministre sous Joseph Michel Martelly. Vous avez attribué GPPC Gary Paul Charles, ensemble avec ancien ministre des Affaires étrangères, ancien premier ministre Claude Joseph. Yo attribué GPPC Gary Paul Charles ensemble avec Stanley Lucas, ancien conseiller, Zami, ancien président El Michel et Matala. Quel gros cause que m'bral partage avec nous là. Eh bien, Gary Paul Charles, fait des classes sur le fait yo. Là, on connaît exactement. Dans le cadre de dossier enquête sur assassinat de Jovenel Moïse, dans le cadre d'instruction dossier ça. Bien que yon dit que juge Gary Aurélien a fait dilatoire ensemble avec dossier, hein? Mais il y a quelques éléments d'information qui prend là, oui. Parce que Gary Paul Charles, il y a quelques informations qui prennent. Vous avez demandé comment le fait, Junior? Je ne vais pas dire non, mais nous ne pouvons pas égarer, mais nous avons son nom. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez paniqué. Vous dites, GPPC dit Gary Paul Charles, puisque monsieur Claude Joseph, Laurent Lamotte, Stanley Lucas, équipe ça,
C'est l'équipe qui a campé définitivement, qui a défini des stratégies pour contre qui le Mati Moïse a sorti, qui est pour le rentrer. Eh bien, l'équipe Matelia qui compte qui est qui Laurent Lamotte. Il compte qui est qui Gary Paul Charles. Il compte qui est qui Stanley Lucas. Il y a qui est qui Claude Joseph, nègre conviction, jeune garçon, bourré de compétences. Eh bien, justement, les auditeurs, il faut qu'ils définissent une stratégie pour regarder comment ils sont capables de démobiliser l'équipe SAA qui campait derrière la première dame, Madame Martine Moïse. Nous-mêmes, nous sommes Infobeto. Nous sommes la jeunesse, nous avons parlé de la vérité. Et rien que la vérité. Nous ne parlons pas pour nous dénigrer ou bien assassiner quelques personnes. Parce que nous ne sommes pas pour ça. Franchement, bien que tout exemple nous a devant nous, c'est ça qu'a fait. Mais nous-mêmes, nous mettons nous hors de bagages. Nous sommes les gens qui ont dit la vérité. Parce que nous sommes une génération qui a soif la vérité. Parce que nous avons un groupe assassin criminel qui est nous dans le ténèbre depuis plus de 30 ans et que nous-mêmes, nous venons de président de la République qui sacrifie la ville, qui fait nous la vérité. Et qui nous mène dans la bataille pour nous quémer nous. Dans le chemin, lumière là. Parce que la vérité, c'est la vérité. Au cas fait 30-40 ans, on a quémé au peuple dans menti. Mais on gagne jour, la vérité est pour le blâi. Et là, la vérité est pour le blâi. Et là, la vérité est blâi, pas gagner cap kaken bil. Aïe, c'est Femsem. Restez avec nos vidéos ça parce que vous pral gain information. Entre-temps, m'a dit nous bonjour ou bonsoir tout le monde. Ne pas demander qui côté qui leur attendez nous à regarder nous. Encore une fois Jean qu'on connaît. C'est toujours un plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous. Et ça vraiment fait du bien à chaque fois que me connaît. M'a venir partager mon moment ensemble avec nous et que me connaît nous va réagir exactement à travers commentaire. Normalement c'est là que nous pral dire tout ça que nous pensons, tout ça que nous comprenons parce que c'est sûr que on va gagner qui attire attention. Gagner qui on pourrait nous te supposer nous te supposer dire nos points quelconque ou on n'a pas dit et que ou même ou envie ajouter en bien ajouter dans commentaire là. Gagner qui on envie féliciter nous tout et ben dit dans commentaire là parle avec nous. Exprime-toi. Mais pendant faire là tout pas oublier même pour une seconde continue à partager vidéo parce que surtout de vous apprécier ou comprendre ou remettre travail là. Partager le maximum pour faciliter l'autre amis famille. Aïe, frère, nous, qui pour qu'on découvre la plateforme, ça, y aurait les pages YouTube Info Berto, hein? Et bien, définitivement, facilitez yo possibilité ça, pour que vous fassiez connaissance ensemble avec grande famille, ça. Parce que nous, c'est la jeunesse, nous avons bataille pour la vérité. Parce que nous avons soif la vérité. Parce que nous faisons un nos systèmes qui équipe le peuple dans la gorge avec menti, faux paroles, faux promesses. Mais je dis, hein, nous avons un président qui sacrifie la ville. De fait, nous continuons à faire bataille. Pas découragé, nous avons conviction, nous c'est la jeunesse et nous demandons pour faire nous confiance. Faire nous confiance. Nous connaissons que nous avons un pile vieux exemple devant nous, mais nous demandons faire nous confiance. Bataille n'est pas facile, route la langue, mais nous avons courage, en tant que nous avons pour nous batailler, pour nous arriver côté de la privée, parce que nous sommes la conviction. Encore une fois, nous remercions pour patience, nous. Et pour l'amour que moi nous-mêmes, qui c'est famille plateforme déjà, nous baillons avec plateforme là, ça fait nous plaisir. Ou pas regretter. Ou mettre Kimbe là ensemble avec nous. N'a pas regretté pour nous vivre. Encore une fois, nous remercions. Nous m'a dit nous Kimbe la balague. N'a pas avancé. Info Beto. Alors justement, m'a commencé par Stanley Lucas. Avec information qu'il t'a baillé. Dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Qui font pile par en pile. Dans la cour pays d'Haïti. Il y a un gros problème. Eh bien, justement, nous-mêmes, ça va être chargé, nous avons fait un deal et nous avons pu comprendre. Ça va être un problème, nous avons fait un deal et nous avons pu comprendre. Ça fait un peu peur, nous avons fait un deal et nous avons pu comprendre. Très, très important. Je pense que, mais c'est un délit qui a vu un bail dangereux, oui. L'équipe maté, les amis maté, les amis qui ont là, ils ont un problème, ça, là, mettre là. Son bagay tête chargée, et son comprenant de Jolan, Stanley bay problème, monsieur bay danger. GPPC dit Gary Paul Charles bay problème, monsieur bay danger. Ma fait nous tende yo, yon après l'autre. Parce que l'intervention sa yo, li yo extrêmement important. Alors, parti GPPC, je pense que nous défendons le matin dans la vidéo qui est sorti matin. Mais normalement, bon parti qui est important, parce que en pile moun réagit sous lui, m'a sorti ensemble avec encore, pour me faire nous tende. Alors, Stanley Lucas, font intervention,
qui est très très important. Nous avons de l'ensemble et puis nous-mêmes, chacune qu'on elle, mappé de nous, nous avons analysé ensemble, nous avons commenté ensemble pour nous comprendre exactement ce qui dit, ce qui est le problème, non, ce qui est quand PHTK, alors tête PHTK problème, non. Nous avons en avance, Stanley Lucas. Très bien. Voilà, Stanley, très rapidement pour nous démarrer, en fait, jeudi à 7 décembre 2021, ça fait 5 mois, en fait, exactement, depuis qu'on a assassiné le président Jovenel Moïse. Donc, on est, en fait, où c'est au grand conseil, sous la ville comme ça. Qui soit comprendre, est-ce qu'on pensait, président, en fait, un pays avec une justice et dans le contexte où il est là? Bon, merci pour la question qu'on pose, à. Peut-être avant de répondre, permettez-moi de saluer mémoire et commissaire de police Michael Lucius, que assassin détruit 1er décembre 2019. Son équipe marée criminelle, il tape marée bandit, il tape marée gang dans le pays. Ouais, qui vient au lagé, mon qui là. Donc, je viens vous dire, si nous venons dans la radio là, nous venons parler de justice pour le président Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas oublier le commissaire Michael Lucius, qui était directeur à la direction de la police judiciaire, on est quatre marées criminels tout bon dedans pays. C'est pour ça que nous avons un message spécial pour le commandant en chef de la police, le directeur général LB. Monsieur, dans le commandement, il faut que nous marions tout Michael Lucius. Si nous voulons payer ça, nous voulons un message par les criminels qui n'ont pas qu'à caponner la police parce que c'est nous pour qui là pour protéger les citoyens. Deuxième, m'a dit en comme pour nous. Là, je vais continuer à parler Stanley pour que je me dise un truc qui est très important. Stanley Lucas, je suis capable de comprendre que vous êtes démocrate, vous parlez normalement selon la loi. Je suis capable de comprendre ça. Mais quand vous avez des fois, je me sens que vous avez oublié. Vous n'avez pas songé qui est qui mettait DGPNH qui là. DGPNH qui est actuellement là. Et Franz LB. Monsieur, c'est Jovenel Kassi. C'est petit garçon Nenel Kassi. C'est mon Nenel, c'est soldat Nenel. Nenel Kassi, c'est un plus gros assassin criminel dans le pays d'Haïti. Mais qui fait plus de crime. Dernier crime que monsieur fait, que le clameur public dénonce, tout le monde connaît le crime ça. C'est le crime qui fait sous conseil là, dans Delma 40B. Mathilus Pierre. Famille, ça nous souffrance. Petite monsieur qui a problème qu'on ne m'a pas la volant. Parce que c'est monsieur qui est toute famille ça. Et bien, Daniel Kassi tué monsieur. Ensemble avec ancien magistrat Port-au-Prince, Ralph Youri Chevry, Nèg Plateau Central. Actuellement, là, Youri Chevry, la caille voisine nous en République Dominicaine. Il prend asile politique. Parce que classe politique traditionnelle, là, avec instant droit humain, gang criminel, Pierre Espérance, demande asile pour lui dans le pays. Ça. Mais ça pour nous connaître. Parce que c'est Nexao qui a monté organisation, association malfaiteur, ou du moins organisation terroriste, Fantôme Section 9, qui a marché faire kidnapping dans le pays. Équipe Nexao, tu pas essayé de lever, tu pas essayé de lever consulant fait rebelle. N'est-ce que tu es sous place? Et d'après l'information, c'est soldat Nenel Kassia qui s'est réuni dans le coutoir, actuellement là, qui est en prison, que Léon Charles qui était marié, qui était fusillé, consulant avec propre Népal, avec gros âme manche longue. Nenel Kassi, exactement, t'es présent dans l'espace côté, il a fait crime ça. Stanley Lucas, nous devons comprendre que, moun sa yo pas moun. C'est normal, on va parler ensemble avec yon, déjà la police, puisque tu as des crimes qui te fait sous commissaire police, responsable de CPJ, on va demander pour arrêter criminel. Mais qui est-ce qui va le faire, Mario? Est-ce que assassin a besoin assassin? Assassin a fait solidarité avec assassin pareil. Pas j'aime oublier ça même bon seconde. C'est Nenel Kassi qui te mettait France LB comme DG PNH. Ou pas qu'à attendre plus de France LB. Stanley Lucas, en avance. C'est juste une petite rectification. En avance. Avec, alors, excusez-moi, je ne fais pas avec ça. Pour
3 décembre 2001, et militant la valache tout yon journaliste très connu, Brignol Lindon. Jodia, et n'a parlé de lui là, ça fait 20 ans, militant la valache tout yon Brignol Lindon. Grâce à travail, Guilherme Delva et SOS journaliste, si militant la valache, mais la valache qui était tout yon, la justice était condamnée, mais auteur intellectuel qui tout yon Brignol Lindon, yon Coco Jean Mabakon. Donc, ou même parle qu'il a Marco, Gary Pierre Pochard, et tout l'autre gros journaliste qui existe dans le pays, gardez qui s'en font consensus entre nous pour que 3 décembre 2022, dans un an, nous inaugurions dans Tigouave un statut pour Brignol Lindon, qui sont héros de la presse et un héros de la démocratie. Et je tiens à ce qu'on a parlé là, nous ne pouvons pas oublier tout parce que c'est de démocratie et de justice. Nous ne pouvons pas oublier tout 5 décembre 1990. Il y a des larmes boum dans Pétionville, côté bon paquet de monde qui était content pour la démocratie qui a participé là-dedans. Et ça fait manifestation démocratique. Mais bon, ça, il y a des paquets de victimes dans Pétionville. Et une victime, ça, c'est Madame Vania. Même d'ailleurs, mais que Gary Pierre Paul Charles ou même Val Marco, nous invitons Vania parce que tout le monde oublie Vania. Bon, non, coupé de pied, il coupe un bras. Et enquête qui t'est venue faire montrer que c'est même M. Lavalache qui est là, des bon, non. Il était qu'à profiter de lui, il était dit que c'est le gouvernement à l'époque. Il n'y a pas qu'à oublier 5 décembre, non. Parce que chaque fois, type d'événement qui a passé dans le pays, nous ne faisons pas de voix de mémoire. Nous ne pas dire, génération qui a dit, mais ça qui s'est passé pour ça, va arriver encore. Nous parlons de la démocratie à service. Donc, Vania, nous avons bien numéro de l'autre côté. Non seulement le besoin d'aide, mais il faut venir témoigner qui ça a été vu comme une héroïne de la démocratie. Tout le monde oublie. Mais je dis, il faut que nous parlions d'eux. Je dis, nous venons parler de 5e mois depuis Milatak, Saint-Pétionville, avec quelques mercenaires créoles et mercenaires colombiens. Nous sommes toujours président de la République. Ou même comme jeune capitaine de radio, là, ça n'a pas dit aujourd'hui, ou même qui est dans l'école 3e, qui est dans la seconde, qui est dans le retour, qui est dans le silo, ou même qui est étudiant préparatoire en première année, deuxième, troisième année, c'est pour vous la parler là. C'est pour que ça, nous, même génération, pas nous en vivre ou pas vivre encore. Donc, bon ligne rouge pour nous tracer pour conseiller des bagailles qui pas. Qui pas doué fait en dedans pays. Ou même, comme jeune Tabzini, les nègres entré par un président de la République, le 58e président de la République, Jovenel Moïse, nègres tout mieux li, nègres mettons un tache sans sur l'histoire pays. Yo mettons un tache sans sur nous tous et sur tout le monde qui a fait dans le futur. Quant à vous, Haïtiens qui dans la diaspora même, les nouvelles sorties, et dans 5 mois qui sont passés là, diaspora a des émotions, il y a des bagailles dans le cœur que vous pouvez exprimer en dedans pays. Des assassins arrogants, ils tellement pensé que c'est l'État qui est en dedans l'État, ils ont rentré à la présidence de notre pays, il y a le chien président de la République. Exactement. Des assassins arrogants. M'a dit ça clairement. Niveau l'argent assassin criminel oligarque corrompu yo fait dans l'état dans pays d'Haïti définitivement yo vinn wè l'état c'est pour yo lié nous même qui c'est masse peuple nous c'est esclaves bataille travail paye taxe pour yo même yo ka jwenn gros l'argent mais service en retour jamais dans tout pays sous la terre population paye taxe. Mais goulan anéan, l'État tourne taxe li en bali, sous en forme quelconque, soit le cash, ou du moins, dans l'autre façon. Mais dans le pays d'Haïti, messieurs, dames, ou paye assurance pour machine ou krasse ou pas un pièce moun qui doit rien. Ou paye tout bagay net, pas de pièce moun qui doit rien. Ou paye, Boulos prend en otage. Dimitri Vob prend en otage. Nek ki gen bank nan pays ya, Bossan, Kalboa on nek sa yo, comment rele Ben Bidjo,
les meuses, les accras, le comment les accras avec machin de drogue. Un petit groupe clan assassin criminel qui c'est libanais, syrien, palestinien, comment les afghans, comment les bonnes yo qui sont dans le pays que tu sortis, ou bien terroristes, ou bien terroristes, vin pour un petit pays, un petit bout de terre nous gagnons, qui c'est 27 750 km² en otage. Moi-même, pense que, en pile, mon abdi beto, des fois, ou pas gagné, pas gagné qu'à régler, moi-même, personnellement, me dis justement, qu'on va gagner qu'à régler. Parce que, qu'on va pour qu'ils nous comprennent. Ça qu'a fait là, franchement, nous qu'a sorti la dalle, depuis nous gagne volonté. Et c'est nous pour décider pour nous sortir la dalle. Alors, moi, je pense que, j'ai une conviction ça. Pays est capable de changer. Nous, qu'à sortir dans ce là. Mais sauf qu'on gagne barrière pour nous songer. Songer côté nous sortir. Songer qui ça fait, nous toujours à répéter, nous c'est premier peuple noir libre et indépendant. Songer qui ça fait ça. Automatiquement, nous songer ça, yo, garantis nous, n'a pas un booster, n'a pas une force, n'a pas un courage, n'a pas une énergie enragée pour que nous libérer le pays. Parce que, je pense que le pays d'Haïti, il n'est pas un pays boulos, il n'est pas un pays Dimitri Vob, il n'est pas un pays Boussan, il n'est pas un pays Bidio, il n'est pas un pays Accra, il n'est pas un pays la famille Dragon, il n'est pas un pays la famille Conventon, il n'est pas un pays tout groupe, toute coalition assassin, criminel, qui tué le président dans le pays. Qui a baissé les armes, qui a financé les bandits, qui a fait toute qualité de sa brigade dans le pays. Mais le pays a tête en bas juste pour qu'il fasse gros l'argent. Bon, ce pays, c'est le pays tout haïtien. Et nous-mêmes, qui avons regardé, qui c'est des haïtiens conséquents, nous souhaitons nous prendre responsabilité. Non. Parce que faut que nous fassions choix. Le pays, c'est pour nous tous. Nous ne pouvons pas parler avec l'étranger. Jamais, sous quelque forme. D'ailleurs, nous sommes les gens qui aiment les gens. Nous sommes les peuples qui aiment les gens. Notre tradition, nous sommes les gens qui, comme si, qui aiment les gens avec nous, aiment les gens côté nous. Mais, si les gens qui sont côté nous, c'est détruit, l'a détruit nous, on fait une coalition nous-mêmes pour nous débarrasser nous des groupes criminels assassins. Parce que le pays, il n'est pas pour nous. Le pays, c'est le pays pas nous lié. C'est pour chaque haïtien. Nous avons vivre dans le pays, non. Moi, je ne peux pas vivre côté mien là. Je vais respirer. Mais moi, je ne suis pas en forme. Je me fous de besoin de la caille. Des fois, je me suis dit dans les yeux. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien parce que je ne suis pas un jeune garçon. Je suis en vingtaine. Je ne suis pas un jeune garçon. Je suis en vingtaine. M'pas de nécessité pour me courir qui te paye. M'capable vivre dans le pays parce que moi-même, c'est un grand homme. Mais messieurs, tout côté pour me passer pour mal la caille, moi, une équipe criminelle, Milad Pol envers mélange avec politiciens traditionnels, alimentant un paquet de jeunes garçons à sa patte, bah, au gros âme, faire sentir que c'est gros chef, pour terroriser la population, kidnapper les gens toute la sainte journée. On ne peut pas être dans le kidnapping, dans la politique, faire gros l'argent. Kembo, mando 50 000, mando 100 000, mando millions. Mande côté que, côté femme, nous travaillons pour que l'argent ça ou pas qu'on ait. Mais au Kembo, yo mando l'argent ça, des fêtes. Moi, je pense que, faut que nous bataillons pour nous libérer le pays ça, en bas griffe, assassin criminel ça, yo. Parce que, ancêtres, nous n'avons pas de travail pour ça. Et faut que nous fassions des salines côté li anam ni l'esprit ça yo côté yo ya faut que nous fassions connait que ça yo te gagne qui te coule pour nous c'est sans ça nan c'est sans ça k'ap coule dans vèn nou tout. Mais pour montrer yo ça c'est bataille pour nous sortir dans l'esclavage ça qui nous y là nèg yo pas en pile ou ka compter les sous doit tout. Qui quantité moun ki rend nou pa ka vivre là.
ou ka compter les cailloux à ou ka compter les cailloux sous douette côté où habiter zone côté où y en aller dans Pétionville là. C'est dans combien Pétionville habiter? C'est dans combien Keskov que habiter? Que habiter? Ça veut dire que on marche la calio, on prend décision, nous dit définitivement OK, nous prenons l'indépendance. Je dis, je vais regarder pour moi l'église catholique, les capacités pour mettre plus de 300 000 personnes dans la rue. Non, seul jour. Plus de 300 000 personnes pour la rue. Et puis, on a plein pour kidnapping dans le pays. Eh bien, méchant ou méchant. Eh bien, criminel ou criminel à la tête nous. Même parce que nous avons une décision pour nous prendre. Nous avons une décision pour nous prendre parce que l'avenir pays, ça, c'est dans nous lier comme jeunes. C'est dans nous lier comme, tout, comme petit pays, comme haïtien. De fait, je ne vais pas trop de choses pour me dire non. Prendre responsabilité, non. Moi, je prends responsabilité, pas déjà. Ou même, je prends pour parce que nous, chaque, sommes différents. Nous avons une possibilité pour nous prendre responsabilité, non. Pays à ce pays à ce pays où, nous avons volonté pour nous vivre là-dedans, mais qu'on a un groupe nèg qui impose nous vivre là-dedans, on prend décision pour nous débarrasser ce pays de groupe ou du moins de coalition assassin ça. Stanley Lika, on avance. Obligé Marie, ou pas gagner l'autre option. Si nous parlons 59e, 60e, 61e, 62e président PIA, nous, les mêmes gens, il faut que nous marions. On va mettre directement dans la question que vous posez à mon ami Gary, qui m'a dit qu'en 20 minutes, sans problème, et en fonction de l'émission hier. Et j'étais le conseiller spécial du président de la République avec mon ambassadeur. Tout le monde connaît. La position que je prends pour le président Jovenel Moïse, je ne prends pas parce que je suis conseiller spécial, je prends et je prends en fonction de principes que je défends de gourmet pour la démocratie. Parce que moi-même, je prends position pour les radios chez Bétain qui a réussi de faire tout. Général Max Maya, qui a réussi de faire tout, il n'y a pas de proposition. Il y a des propositions pour justice pour Pasteur Antoine Leroy, qui a réussi de faire tout. Jacques Roche, qui a réussi de faire tout. Brion Lindor, qui a réussi de faire tout. Antoine Novinsky, qui n'est pas oublié, et au bien qu'on est qui ministre chargé des relations avec le Parlement qui touille le boulage. Nous ne pouvons pas oublier. Et Novinsky, qui est Antoine. Il y a des propositions pour Jean-Dominique, qui est maintenant en cas politique. Justice pour Jean-Dominique. Il va y avoir une proposition. Une proposition pour Dorval. Parce que nous-mêmes, depuis qu'il y a boumé pour la démocratie, ça fait à peu près 30 ans, nous n'avons jamais changé de direction. Nous toujours qu'il y a la même direction. C'est ensemble de tout principe. C'est ensemble de principes. Ça, et tout ça, moi, ça a l'air, ça avec un peu d'admiration, moi, qui j'en, Pascal a lui grandi, ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir, moi, j'ai grandi politiquement. J'ai grandi en pire politiquement. Donc, position de principe, ça, qui n'a pas, c'est eux-mêmes qui font nous. Il y a des bagailles, c'est nous créer. Gary, qui fait son mime, nous-mêmes qui n'en radio. Nous connaissons depuis qui les amateurs, nous connaissons même connaître ce candidat pour président. C'est moi qui viens avec bagaille, groupe de boudon. Tout le temps, nous parler de là. Ah, M. Stanley va parler de groupe de boudon là. C'est aujourd'hui que nous devons comprendre ça par le groupe de boudon, qui c'est l'État dans l'État. C'est aujourd'hui à tout le monde vient comprendre ça par le groupe blackout. C'est aujourd'hui à tout le monde commence à comprendre ça où est l'économie de rente, c'est Pascal Sotbaïla, bon non, c'est ça où est le monopole. Donc si aujourd'hui nous venons parler de président Jovenel Moïse, première question que n'importe qui monde doit poser, c'est à qui profite le crime. La première question, c'est à tout le monde va le poser. À qui profite le crime? C'est pour ça que je dis, tous les amis journalistes, mon petit livre que UNESCO écrit, tu es l'enquête par hypothèse.
Donc, c'est l'avantage que nous gagnons, nous n'avons même besoin d'entrer dans l'hypothèse. Parce que dans cette hypothèse, là, on va regarder perception, yo, on va regarder indice préliminaire, yo, on va chercher l'autre indice pour renforcer son joint, yo, hypothèse qu'on joint, yo, on va faire de nouvelles découvertes, on va regarder tout ce que tu penses à. Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas ça, on va présenter des excuses, mais si c'est ça, on va continuer comme là-dedans. Donc, je vous le dis, à qui profite le crime? C'est la première question pour tout le monde poser. Nous-mêmes, depuis que nous sommes président Jovenel Moïse, depuis nous avons fait la première interview, et il faut nous remercier nous-mêmes dans ce groupe FM, nous avons permanent ce que nous sommes. Parce que nous connaissons des délais, des menaces qui font sous nous par rapport à la publicité qui nous dit au Pambay. Des menaces physiques qui font sous nous, qui ont gâté nous tous. Moi-même, je vais partager toute l'idée de campagne, toute l'idée de Macro, toute l'idée de Gary Paul Charles, mais il faut me reconnaître la contribution que nous sommes là pendant 5 mois. Il y a des côtés qui ont des problèmes là-dedans. C'est ça la démocratie. Nous ne sommes pas d'accord sur tout le bagage, mais il faut me reconnaître la permanence que nous avons. Et la permanence qui pote contribution ni à l'avancement du dossier. Qui est 4 composantes qui sont le président Jovenel Moïse? Composantes financières. Pour monter une opération comme ça avec tout le monde, pour dépenser tout comme ça, pas de 5 oligarques de Pétionville qui ont payé comme ça. Nous, après 5 mois, nous sommes pire, j'ai pas pu faire pour nous faire comprendre, comme si, ces petits nègres qui n'ont pas les nationalités, qui ne sont pas les nationalités eux-mêmes, ces petits docteurs, ça, non, ou un, ça, non, oui, n'est pas que 60 000 dollars américains par année. Les doué 400 000 dollars côté ça nous avons monté opération comme ça. Comme si autant intellectuel yon ni là qui monte opération. Hein. Parce que le président Jovenel Moïse, c'est moi un système, non, moi un système non voulait dire tout ça. Capturer l'État. Ça veut dire capturer l'État ou même étudiants, ou même jeunes, ou même paysans, ou même femmes, ou même garçons, ou même diaspora. Pendant 35 ans qui se passe là, il y a quelques mille à Pétionville qui capturer l'État. Allez, je prends l'État en main. Nous devons pouvoir exécuter en main nous pendant 35 ans. Nous devons pouvoir judiciaire en main nous pendant 35 ans. Nous devons pouvoir exécuter en main nous pendant 35 ans. Quand ça veut dire concrètement, par exemple, la 50e législature qui se passe là, sous 28 sénateurs, il y a 20 sénateurs avec l'oligarque qui sont là au grand radio. Dans 10 sénateurs qui sont là, qui ont mandat au calcul là dans 45 jours, il y a 7 là-dedans qui sont dans les oligarques qui sont vivants dans l'autre. On garde le pouvoir judiciaire. C'est assassinat président Jovenel Moïse qui vient nous permettre de nous éclairer la dimension contrôle que nous avons gagné, nous avons fait des gens vivants sur le système judiciaire. Très important. Pour le Pakistan, je ne vais pas parler là. C'est un élément clé dans le cadre de dossier assassinat Jovenel Moïse. Là. Dans une composante comme si qui tue le président. Dossier la justice dans la coupe pays d'Haïti. C'est extrêmement grave oui, qui passe en dedans pays là. Ça veut dire que yon équipe nèg qui pas haïtien comme si qui saute dans pays comme si pour terroriste qui vient dans pays qui prend contrôle toute bagarre dans pays hein, qui tue moun gens ou vle, yo alimenter jeune garçon pour yo gangsteriser pays complètement, yo monter nous faire kidnapping et puis yo tuer président. Je dis, yon ferme mise sur l'appareil judiciaire. Nous, jeunes des juges, jeunes garçons et femmes, qui sans caractère, qui mettent au service criminel assassin ça yo, au détournement de peuple. Jusqu'à ce que le juge bail mandat pour faciliter un groupe assassin criminel à tout le président de la République. Et juste après assassinat président, où je continue jeune juge. Qu'a persécuté madame, non? Qui ont sauté assassiné, bon Dieu fait pour lui, il sorti vivant, Maria mourit. Juste à relé, il qu'en sonne du mai. C'est bon frère, yon nan assassin criminel, qui planifié, qui était responsable logistique, nan assassinat président Jovenel Moïse, non, pour Dimitri Vob. Et puis juste ça encore, pour montrer nos connexions, quand on parle la clé devant tout le monde, oui. Connexion moun oui. Juste ça, sauté persécuté. Madame Martine Moïse, qui sont victimes d'assassinat Marilyn. Parce que
Lise ou de première victime. Après ce peuple haïtien. Parce que le président mourut pour nous. Eh bien, il qui connaît du meilleur, c'est bon frère. Il y a un pigo criminel qui planifiait assassinat président. Qui coordonnait, qui responsable logistique pour Dimitri Vob dans le cas d'assassinat président pays qui se Jovenel Moïse. Et puis, c'est même juste ça qui fait tout coûte mal taillé. Il sortit vieux papier, bay pression avec DCPJ, bay pression avec DGI, pour que le VCLE, que l'État haïtien, te déposé sous bien assassin criminel Dimitri Vob, théorie Jean-Marie Vob, qui tape volant 12 millions de dollars américains dans la caisse l'État chaque mois dans le pays pendant des années. Eh bien, monsieur Président Abitel, il le VCLE. Ou même capitaine, je regarde là. Qui soit dit tout? Qui soit dit tout? Ou qui te monde à continuer à vivre dans le pays toujours? Ou qui te monde à continuer à craser le pays toujours? Ou qui te monde à continuer à finir avec la population toujours? Ça n'a pas dit tout. N'a bêtisé ou bien la presse habite nous? Franchement, ça n'est pas aller. Parce que trois bagailles pour dire, bagailles trois clés devant tout le monde. L'église catholique a mis 300 000 dans la rue. Et puis nous pas libérer le pays. Mais comme tout le monde, l'église, tu impliques un assassinat président. Il y a une interrogation toujours. On a tourné sur ça tout à l'heure. C'est le canal. Et vous, pour premier, jusqu'au déclaration Joseph Messène, vous l'avez remettre dans André Michel. Vous avez cette vidéo macaque qui vous a fait sur WhatsApp. André Michel, vous avez un chef de garde vous a dicté par Joseph Messène qui t'a vous dit. Mais vous n'avez pas là. Mais la tassation de Pétionville, il y a un deuxième juge pour la tassation. Il vit qu'elle d'abrézi. Mais il y a le métier, monsieur, dans la tentative pour le président, le 7 février, qui se passe là, tabac. Tentative pour le président, tabac, échoué. Mais il y a un troisième juge pour la tassation, Wendel Kok. Il y a le métier dans tout le président, 7 juillet. Bon rapport en 7 juillet et 7 février, moi je refuse d'enquêter sur 7 février, ma ronde dit ça. Faut que tu enquêtes sur lui, parce que connexion. Parce que ça qui passe, 7 février, côté où tu as l'assassiné président, c'est dans le village Petit Bois. Village Petit Bois, pour qui est-ce lié? Dimitri Vob, Jean-Marie Vob. Tabac. Ça veut dire, monsieur, qu'il y a trois clés devant les yeux, mon oui. Ça que là pour un exemple tellement puissant dans le pays, mais je ne vais pas bagaille. Si le peuple a battu sans honte, si nous pas de vicieux, si nous pas de cocorate, si nous pas de 5 colonnes vertébrales, si nous pas de blé côté de sortie, si nous pas de grand goût, ton aboule nous t'a foutu libérer le pays. Parce que nous comptons tout le monde. Et là, nous foutons Jovenel Moïse tout, pas de foutre de mon avec du tout. Mais comme tout le monde connaît, c'est Matéli qui a une base là. Il va être confortable 7 février. Et de fait, d'après Stanley Lucas, et Matéli vient confortable 6 7 juillet. Et ça fait que Jean-Gabriel Fontenay était. Jean-Ancien Maïssa Gabriel Fortuné te dit là, parrain non, livré, fiel là, Gabriel Fortuné, on a les noms, c'est le Lucas Abtouné. Caché derrière Vigel d'Abrézi. Qui est-ce qui caché derrière l'inspecteur général Marie-Louise Gauthier? Qui est-ce qui te fait faire mandat d'arrêt à votre président? Moi-même, question ça a eu, il a eu des réponses. Capturer l'État. Toujours le système judiciaire. Qui montre que le système judiciaire n'est pas même. Pendant 5 mois qui se passe là, nous avons puissance oligarque, ni l'assassin de Thionville, un deux coups d'appel, un deux tribunal de première instance, un deux coups de compte. Comment vous voulez la justice, la police découvrir comment Yvickel d'Abreville, à Wendel Kok participer dans le président, et puis Rogavi Wagene dans le coup de compte, avec ses réinstallés illégalement. Elle là, vous montrez à aucun système, non, son petit chien et au saut tout. Ce n'est pas la présidence de notre pays. Mon petit chien et au saut tout. Ça m'a dit là, c'est pour l'émancipation des Noirs, et m'a dit là. Ça m'a dit là, ce n'est pas seulement capturer l'État, non, c'est un concept qui est le racisme systémique. Allez-y, en général, 3-4 000 pays, pas de problème. Vivre bien à mon noir, payer taxio, faire ça au lieu de faire dans la société. Mais bon, si vous avez la pression ville, n'est-ce pas appelé l'émancipation des noirs? C'est au capturer l'État. Exactement. Et c'est une équipe criminelle assassin. C'est une équipe gang terroriste. Et c'est ça, justement, puisque nous identifions, on nous fout libérer le pays. Parce que nous,
D'ailleurs, nous tous connaissons, il y a un problème que vous identifiez. Son problème que vous avez formule là, il y a moitié résoudre. En attendant nous sur ça, pour nous libérer le pays. Hein? Parce que nous ne pouvons pas vivre avec ça toujours, non? Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas fonctionner comme ça. Est-ce que vous comprenez? On nous fait effort pour que nous libérer le pays. Hein? Des groupes assassins criminels, ça y est. Pillages, ça y est. Parce que le pays n'est pas fonctionner comme ça. Sous quelque chose en forme, non? Nous ne pouvons pas vivre avec ça toujours. Franchement, monsieur, on a l'instant là. Ici, on a pris le pouvoir exécutif là. J'ai envie de capturer l'État. Dans 35 ans qui se passent là, c'est pour ça que vous même parle comme classe moyenne. Dans le choses ça pour gagner un populaire. Vous devez faire 500 000 dollars, 1 million, 2 millions de dollars américains par année pour pas qu'à faire. Parce que Milan a pas cette question de capturer l'État, capturer le pouvoir exécutif là. Pas gagner, ça aurait été libre. Et on économie avec marché libre, c'est monopole qui gagne. Dans 35 ans qui sont passés là, c'est les bien ou même peuple, paysans, comme quel que soit côté. Dans 35 ans qui sont passés là, nous avons transféré 560 milliards de gouttes bien nous, sous compte personnel et sous compagnie. Pendant 35 ans qui sont passés là, qui j'en fait ça? Nous bâtissons l'Union d'Haïti pour 60 milliards de gouttes. Nous avons monté la tête. Yo prend nan men nou, soi-disant sous privatisation, yo prend nan men nou pour dégoûter. Mais yo prend nan men nou pour dégoûter. Et Varé, Dimitri Vob, avec syndicat, fermeté de fait dans Varé, pour usine électrique, soit 83 MW que nous bâtissons sous Duvalier pour 120 milliards de gouttes, sans l'État pas vendre, ni pas acheter, et yo prend vieux contrat de service, sous base contrat de service, à yo prend avenant, yo prend l'aile nan men nou, tout est sous Genève. Même bagay si mada Haïti, même bagay te l'éco. Donc, dans la raquette sa yo, sous 35 ans, nous avons volé 560 milliards de gouttes. L'argent taxe peuple et l'argent taxe moyenne. Nous avons capturé l'État. Vous l'entendrez, en Delona, l'Ukraine, en Delona, 2 milliards 900 millions de gouttes. Très important. Une émotion, Stanley. Boulos rentre dans l'ONA, il prend près de 2 millions 900 millions de gouttes. Il prend près de 2 milliards 900 millions de gouttes. Et c'est comme ça que Jovenel Moïse met en question via ULCC, DGI, ULCC. Qui questionne Boulos, eh bien, là où dépenser des millions de dollars américains, il faut tout le président pour ça. Parce que pas de problème avec Pierce Moun dans le pays, c'était Jovenel Moïse. Ka barre ou barre en bas pour nous suspendre voilà. Classe politique a pas qu'à faire gros comme quoi. Jovenel Moïse mande yo en ouè pays ya. Yo mette tout ensemble avec patron yo, boss yo, papa yo, criminel assassin par yo, yo fout tout yo président. Yo crase pays ya. Pour être ça seulement. Et puis pour nous dire comme ça que nous quitter petite Boulos, continuer à gérer business Boulos qui fait avec l'argent l'ONA yo. L'argent Boulos acheté, comment elle est, maison machine sous l'aéroport. C'est l'argent l'ONA. L'argent Tigran Mounio, l'argent Totom, l'argent Matepoué, l'argent Tigran Mounio, qui a travaillé dans le factory. Et puis nous quittons à fonctionner. Comme si nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas fonctionner. Nous avons bêtisé, nous avons rincé. Même quand Gunberg m'a dit non. Le pays n'a pas été comme ça. Faut que nous sautions dans cette situation. L'agence sa kname Boulos lan, Jovenel Moïse te fait nouvel et n'a continué à répéter. En nous, on a cherché l'argent nous nommé Boulos. L'ina hôtel El Rancho dans Pétionville. L'ina maquette monsieur yo. Nan Klessine, nan Delma, nan Tujo. Est-ce que vous comprenez? On a cherché yo. C'est pour nous yo. C'est en aller. Toute la commission fait rapport. Li montre comment 5 Boulos volé, malgré que 5 Boulos volé. Parce qu'il y a un système judiciaire, parce qu'il y a un système judiciaire, non mais, pas de juge. Au contraire, il y a un tribunal de première instance qui est contrôlé, il y a fait ça, ou il y a fait des défaites. Donc il y a la justice, pas non mais nous. Donc le président Jovenel Moïse mourit pour tout ça. Parce que les gens qui ont fait 30 millions de dollars américains
et par mois, 300 millions de dollars américains par année, sous 13 ans, on fait 3 milliards, 900 millions de dollars américains pour blackout. Les coulisses, le président a commencé à mettre l'autre dans la question, mais ils ont commencé à sponsoriser l'instabilité jusqu'à ce qu'ils arrivent autour du président. Le août, les objets ont fait l'État payer 1 million 500 000 dollars pour chaque kilomètre de route. Exactement. Le président a envie de montrer qu'il a fait route avec bénéfice 150 000 dollars pour chaque kilomètre. Là, dans l'émission, ça, Jean-Marie Bob est venu pour passer président en bêtise. Il a fait quand même à 150 000 dollars le kilomètre. Voilà. Les négociants n'ont pas qu'à voler, ils ont montré qu'on peut pour tuer le président. Le final, vous l'avez même bagaille. Donc, mes amis, si nos pays, comme pour les États-Unis, ils n'ont pas quitté les négociants pour capturer l'État. Si on paye tant pour les États-Unis, côté qui gagne un président blanc, tant pour Joe Biden, il y a vous, mais qu'on s'arrête le racisme systémique. Côté institution d'État, il y a des côtés, il y a des mouns noirs mal. C'est pour ça que les policiers blancs mettent pieds sous coule George Floyd, pendant 7 minutes, où j'ai dit, pas qu'à respirer, ou c'est qu'un des pieds jusqu'à quel tout c'est ça, ni la question vivie après des yards, ni la tassation est volée, oui. Les Réginal Boulos, les Dimitri Vob, les familles Andal, pas qu'à ça, pas qu'à continuer. Et ce qui est là pendant 5 mois là, chaque jour qui passait, chaque action qui passait, il y a eu plus tout ni. Qui ça système là est? Système qui est en place là. Il y a un maître système là. Les Boulos, les Vob et la Rie. Il y a un exercice qui est en système là. Ariel Henry, Skitel, etc. Michel Matéli. Tenez bien, oui. El Michel et Matala, Zamil. Franchement, monsieur. Jovenel Moïse pas tape pas mourir. Mbap dit plus. Stanley en allé. Système non. André Michel, Nenel Kassi, etc. Et puis, il y a des français système non. Et ça, il y a des systèmes monopole là. Donc, quand même, analyser 5 mois, président Jovenel Moïse, premier bagage qui m'a dit, président Jovenel Moïse, c'est le premier vague là. Et tout le premier vague là, mais lui permet nous, ouais, clairement, comment l'État, comment pays a pas nommé. Voilà. Nous-mêmes, c'est deuxième vague, les troisième et quatrième vague derrière. Qui sa deuxième vague doit faire quand on a boulé pour justice, quand on a bien tout ça. Première bagaille, pour nous cibler, ou même citoyen pays, si nous voulons bon pays, si nous voulons prochain président, prochain parlementaire, prochain magistrat, diriger pays et délivrer pour le peuple, premier côté pour nous cibler, pour nous craser le monopole. Pas de l'autre côté. Pour nous craser le monopole là. Régime de l'autre, ça s'appelle craser le monopole. Je vais vous montrer un exemple bien simple. Est-ce que nous voyons ça qui a passé dans Gaza là? Pas de l'autre gaz, non? C'est le qui fait montage là. Le négo paye quelques gangs dans ma tisse pour empêcher le gaz à sortir. Ou là, il y aurait un géant à gang pour que vous disiez son 15 camions de temps en temps qui sortent. Et puis il y a un gaz dans ma chinois. Objectif là. Tout comme il n'y a pas de voler pendant 3 ans, il y a des gens bloqués pour ne pas voler, qui ont été récupérés dans le poche. Ils ont entré dans la banque centrale, ils ont pris 900 millions de dollars américains de réserve, ils ont été mis en banque avec 5 oligarques qui sont dans Gaza. Ils ont été 3 mois gaz, mais en plus de ça. Ils ont dit, pendant pas là avec vous là, 6 mois, président Jovenel Moïse, mourir pendant que Yabay, André Michel, Nenel Kassi, lui qui a crié l'aide bon goût. Si on tenait manger, mais je n'ai pas centaines de millions à payer. C'est ça le système là. Donc comment on va craser le monopole? Exemple numéro 1. Gaz là. On prend le département noir. Ou bien on prend le département grandeur. Choisis le département qu'on voulait, on fait exercice ensemble qui j'en pour nous gazer le monopole. On a parlé avec vous là, c'est 5 nègres qui ont comme gaz là, non mais. C'est eux-mêmes qui créent les vacances artificielles. Comment on a résolu le problème ça une fois pour tout pour commencer à craser le monopole? Eh bien, on dit département noir. Dans 32 département noir, nous cherchons 150 personnes dans le département noir qui a investi. Dans la diaspora, nous identifions 150 personnes dans la diaspora qui a investi. Nous faisons un consortium de 300 personnes. 300 personnes, ça, l'État va bailler dans le département noir, un côté qui est très bon homme. Même si l'État va bailler au qui est là pour faire pauvriser dans votre personne. Voilà. Avec bon homme. C'est bon, mais qui est au bas, l'État, parce que tout le monde qui a un oligarque dans Gaza, c'est pas comme non, c'est comme l'État. Ah, j'ai l'État. Avec l'État qui est au bas, bon, mais vous pouvez faire chambre de commerce avec consortium dans le département, non? Faut une étude qui montre combien d'allons gazoline, diesel, kérosène, que nous besoin pour 3 mois pour le département, non? Voilà. Et nous finissons d'identifier,
nous allons bâtir un tanker qui va recevoir 3 mois de gaz pour les 19 communes du département Nord. Justement. Après ça, nous allons mettre une structure. Côté dans chaque commune, côté pas de gazoline dans le département Nord, c'est mon nom qui doit être propriétaire. Pour qu'un propriétaire en station gaz dans Nord, il faut résider au moins 5 ans dans le département Nord. Pour y'a, Nord a une infrastructure gazée, c'est lui qui commande gaz chaque 3 mois. Gaz la plus bon marché. Roulement qui te connaît maintenant, mais oligarchie, c'est notre peuple département noir, non, mais peuple département noir, la fête. Ça fait même bagaille là pour Nord-Ouest, pour Nord-Est, pour Grand-Est, pour Sud-Est, Sud-Nuit, pour Plateau Central, la Lime, même à la Tibonite, après qu'ils ensemble des départements Sahara, même si son côté dans la Tibonite, là, qui puis bon, nous stocker le gaz pour le département. C'est ça, nous créons le monopole gazaille, nous devons faire même bagaille là pour construction de route, nous devons faire pour courant, nous devons faire pour monopole commercial de Néguyogain. Monopole bancaire avec une banque qui n'est pas gagné, nous allons craser tout monopole. Et nous craser le monopole dans les années 1930. Toute grosse ville pays a été un commerce indépendant. Tout est gardé gros magasin qui est au cap dans les années 30 et 40. C'est un beaucoup vivant, c'est grand-papa qui a raconté ça. Je dis à quoi nous décentraliser et libéraliser l'économie haïtienne. C'est pour retourner dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Bilan économique est en 5 mois. Oligarchie aurait été. C'est conclu pour nous, mon frère. Ok, je connais. Et aurait été tout monopole en place. Je prends contrôle total la douane, frontière, marché noir. Je prends contrôle budget rectificatif là avec Ariel. Parce que c'est eux qui fait là avec Ariel. Exactement. Je prends contrôle ministère de finance, banque centrale, à toute institution économique, l'État. Philosophie, qui reste là pour faire là, pas existe encore dans tête l'État, qui reste là, c'est pour l'Oligarque Pétionville. C'est ça exactement qui cause Yobanou la mort, président pays nous, qui c'est président Jovenel Moïse. Alors, ou même qui c'est frem avec ce capitaine de Mgabgadem là, haïtien conséquent, qui rêvait pour nous gouloter Haïti, on nous mette nous ensemble, Nadé. On nous mette nous ensemble. Et, m'papa nous menti, il y a des gros informations qui viennent de moi là. Ben mal vérifier et puis on a tourné dans next vidéo. Restez connecté avec plateforme là. Plateforme YouTube InfoBeto. Soit regardez nous ou attendez nous sur Facebook, allez sur YouTube ou prenez jeune maman Pemba après vidéo ça. InfoBeto. Moi mais nous en pile. Numéro de téléphone là, mais en bas vidéo là. 809 619 43 54. Qu'est-ce que la balague?